Merci pour parole. Nous nous remercions, Seigneur, pour l'effet que parole a dans la vie. Nous nous remercions, Seigneur, pour décrire parole, ça pour nous. Exemple Israël, pour nous capables de comprendre. Moun, cap servir au peuple, qui j'en Seigneur, qui type de relation qu'on voulait que vous gagnez avec vous, qui j'en voulait pour vous faire confiance. Vous voulez pour nous vivre parole, pour nous obéir. Mais dans la chaîne, nous avons un manquement, nous avons des faiblesses, nous demandons pardon. Et nous prions, Seigneur, va affermir nous dans la foi. Aidez-nous, Seigneur, pour nous faire confiance un peu plus. Pour nous observer parole un peu plus, pour nous remettre monde un peu plus, pour nous faire ça qui est bien un peu plus, pour nous pas fatiguer pour nous faire ça qui est bien, j'ai commandé pour nous faire. Aidez-nous, Seigneur, pour nous comprendre la vérité, ça au matin, après-midi, Seigneur, que l'heure où fait nos promesses a bien difficulté. Israël a en pile difficulté. Et yon là d'ailleurs, c'est le Jourdain que tu dois traverser avant que tu rentres à Canaan. Et tout de suite, le fait de traverser le Jourdain, il va gagner une autre étape encore, qui c'est Jéricho. Aidez-nous pour nous apprendre de vérité, ça, pour ne pas inquiéter, non, leur difficulté dans la vie, mais pour nous connaître quoi avec nous à travers la difficulté, ça, même j'ai encore avec le peuple d'Israël, l'étape traversée Judée, l'étape traversée la ville de Jéricho. Nous nous remercions, nous prions, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La foi, pas facile. Songez, comme nous avons un bon temps, nous pas réunis le mercredi ensemble avec nous, donc dans Josué, ma fonte de vision rapide. Quand j'ai Josué, moi on veut dire Jéhovah sauve. C'est même mot Jésus-Christ là que lui. Mot Josué, c'est comme si c'est hébreu que lui. Et puis yo déformé en français, il fait Josué. En grec, déformation, il fait Jésus. Donc comme si Josué, c'est Jésus en hébreu. Donc c'est même bas que veut dire Jéhovah sauve. C'est même. Donc Josué c'était un type de Christ que le Seigneur. Là nous dit un type de Christ, c'est un monde qui informer nous de caractéristiques messiens qui dégain pour devenir. Il commence à montrer monde qui jamais messien pour venir. Donc c'est ça qui est un type que lui. Donc Josué est un type de Christ. Leçon que nous devons apprendre dans tout livre Josué, hein, sinon qu'à résumer en un mot, ça c'est possession. Possession. Bon Dieu, t'es bas aux possessions en zone, en région Canaan. Mais peuple Israël jusqu'à maintenant pas jamais occupé toute sa bon Dieu t'es bas. Pour quelle raison? Manque de foi. Il n'a pas fait bon Dieu confiance. Le bon Dieu dit avancez, soyez peur, soyez quitter la chair, envahissez, il n'a pas jamais avancé. Et malheureusement, c'est la vie en pile chrétien, je dis. Il y a un pile chrétien qui n'a pas jamais rentré dans tout le plan bon Dieu pour la vie. À cause du monde, là, aller à gauche, aller à droite, il a fait ça mes plaisir, fait le monde sa plaisir, au lieu de faire ça bon Dieu demandé, il fait ça en monde demandé, ou bien ça en société demandé, et puis il a raté la bénédiction bon Dieu. Songez, nous rappelons parce que chaque mercredi, depuis un bon temps, 1 Corinthiens 10, 11, avec Romains 15, 4, 1 Corinthiens 10, 11, dit non, « Bagay sa ou, te rive moun juif yo pour servir nous comme exemple. Et yo écrit pour apprendre nous, pour instruction nous-mêmes, qui rive dans fin temps. » Et dans Romains, chapitre 15, verset 4, la Bible dit non encore, en parlant d'Israël, la Bible dit non, tout ça qui était écrit d'avance yo, il a écrit pour nous capables d'apprendre. Donc c'est pour ça que nous apprenons dans ce testament, pour nous apprendre. Afin que, par patience et par consolation que la Bible a nous, nous sommes capables dans l'espérance de bon Dieu. Donc la Bible est consolée. Pour ça, consoler nous, ou capable dans un moment de difficulté qu'on y a là. Mais là, le peuple qui t'a servi bon Dieu, le peuple d'Israël, il était dans la difficulté. Tout. Mais bon Dieu montre que dans la difficulté, il était là avec eux. Donc bon Dieu voulait fort changer. Que dans le problème, ou que la vote, il doit juste faire confiance. Parce que là, dans le problème, ou que tu danses pour faire façon que le monde l'a dit, fait tel bagage et puis le problème n'a résolu. Donc, bon Dieu, vous voulez faire exactement ça, le monde fait, et puis là, ça, vous avez une solution au problème. Dans le noté dans Nombre, chapitre 33, c'est un peu important pour nous faire un petit rappel rapidement. Dans Nombre, chapitre 33, dans verset 1 à 49, nous verrons que l'histoire est importante et l'histoire a un rôle que l'a joué dans la vie, nous. Mais c'est comme si le peuple d'Israël songeait ses histoires, non, qui est écrit à l'avance. Donc, il faut nous lire l'Ancien Testament. Nous ne parlons pas pour nous faire religion. Il y a des gens qui lisent, puis qui apprennent tout ça qui rejoignent. Regardez, il y a dans telle partie, il y a des gens qui font des choses, ils font tout. Il y a dans telle partie, il y a des gens qui font des choses, ils font tout. Mais non, on ne peut pas faire comme ça. C'est apprendre ou apprendre globalement, bon leçon pour eux-mêmes. Mais on ne peut pas apprendre à la gauche, à la droite, ou à faire la dernière. Donc, pour ça, je vais venir sur ça, parce que nous, le peuple d'Israël arrive devant Jourdain. Pour la rentrer à Canaan. Mais songez comme bonne l'autre étape que le passé avant. Songez génération, ça a qu'à rentrer
à Canaan là, c'est pas génération ça qui était sorti en Égypte. Vous savez ça? Tout grand monde qui est sorti en Égypte, côté où il y a dans l'histoire, tout mourit. Pourquoi ça va mourir? Parce que il y a pas fait bon Dieu confiance. Les bon Dieu Dieu font bagarre, il fait le mal, il y a plein, il y a relamoué, il y a fait rebelle et puis tout mourit. Il fait 40 ans dans le désert. Sur lui, Nombre chapitre 33, ou bien pour un message, non, dans Nombre chapitre 33, ou après, dans 40 ans, il passe dans 40 lieux différents. 40 lieux différents. Ça veut dire, il n'y a pas de jambes en place. Il y a pas de machin. En fait, il y a comme si il y a fait tout, il y a viré tout. Il n'y a pas de fond, non? En pile mouvement. Si on a observé pendant tout le temps ça, ou après, on peut qui toujours en mouvement. Mais on va aucun côté, c'est tout, on l'a viré. Bon Dieu fait, a viré tout rond dans le désert. Côté de sortir, il tourne même côté encore, même côté encore, même côté encore. On va y virer, il y a viré. Nous, quand on est bon à faire course, dans le stade, il a viré tout. Et mais c'est comme ça que Israël t'a fait pendant 40 ans. Et tout le monde, ça, il vient de mourir. Nous, apprenons la leçon de ça, nous dit que le fait que grand l'activité, pas veut dire que, bah, il y a une forme spirituellement, vous savez. En tant que ministère, il faut nous veiller tête dans le dos, parce que nous sommes ministères qui sont très occupés, qui ont un bon ministère. Mais il faut faire en sorte que ce n'est pas un mouvement nul n'a fait. Vous comprenez? Parce que tout ça que nous avons fait, il faut avoir un objectif là, toujours dans la tête. Non? Tout ça que nous avons fait pour les gens capables de sauver et pour les gens capables de ça. Sanctifier. C'est l'objectif de l'Église. Là. Vous comprenez? Je crois que tout le monde connaît le Gonia. Objectif de l'Église, là, c'est pour les gens sauver et pour les gens sanctifier. Bon, pour nous faire ça, nous faisons une bonne activité. Pendant que je regarde là, je suis 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 là, tout le monde est là, tout. Mais pour ça, là, parce que nous sommes dans le pénitentiaire, nous sommes de l'autre côté, nous sommes dans l'école, nous sommes dans tout le côté pied de nos mains. Pour que ça, pour nous sauver, pour nous sanctifier. Et nous sauver, nous sanctifier, nous faisons une seule famille ensemble, et puis nous faisons route là ensemble. Extrêmement important, non? Nombre 33, verset 50 à 56. Bon, je montre qui ça qui a empêché nous de jouer bénédiction. C'est idole dans la vie non. Qui ça yon idole? Tout ça qui empêche mon relation totale capitale avec bon Dieu son idole. Tout ça qui prend attention plus au lieu pour me bailler bon Dieu attention ça son idole. C'est grand pile idole dans la vie non. Et nous t'ai dimanche là en pile fois bravo nous qui t'ai trop vide. Nous t'ai Pilate, pas vrai? Pilate t'ai Jésus-Christ pas coupable mais il m'a fait battre lui quand même. Les gonti flexibilité, l'a fait monde l'en plaisir, l'a fait peuple l'en plaisir. Eh bien, depuis que tu trouves ça, ça t'a rentré là-dedans, il ouvrit tout vide, là pour ouvrir tout en pillage lui-même pour. Donc, idole, ça devrait l'utiliser. Nous, tout qui là, il y a des défauts. Vous êtes comme ça? Je ne sais pas. Qui est-ce qui n'a pas de défauts? Si je ne sais pas, je ne sais pas. Qui est-ce qui n'a pas de défauts? Okay. Mais il y a des défauts qui sont plus accentués. Il y a des défauts qui sont plus accentués dans le monde qu'on l'autre. Moi, je ne sais pas qui est-ce qui est accentué dans moi. Vous êtes défaut? Non, je ne sais pas. Chaque monde qui est pas, oui. Mais vous connaissez qui est comme ça? Qui est-ce qui est comme ça? Satan est comme ça. Madame, je connais le dos, oui, madame, je connais. Mais Satan est comme ça, lui-même. Donc, quand vous pensez que l'attaque est plus, d'un côté, il y a une faiblesse là. Vous comprenez ce que vous comprenez? Donc, nous tous, il faut nous suivre, côté nous connaissons une faiblesse là. C'est là qu'on a baissé les bouches et les troupes raides. Parce que nous connaissons là la ventre. Parce que nous connaissons là le camion. Vous comprenez? Parce que vous connaissez l'autre dans le monde, mais ça, vous faites. Si vous avez un bois, c'est un affaire à ta cour. Si vous avez un menti, c'est un menti à la pointe. Côté de la faiblesse de la c'est là que la prend. Donc, c'est extrêmement important pour nous retirer l'idole ça dans la vie. Pour nous faire en sorte pour nous boucher tout. Josué, chapitre 3, verset 1er, dit nous. On a lu verset 1 à 6 pour nous commencer. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim. Avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain. De là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Oui, la passer la nuit, c'est pas juste une seule nuit dans le passé. Verset 2, dit combien de temps? Au bout de 3 jours. Il fait 3 jours. Pour ça, m'insister, ça a une importance pour nous-mêmes. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, ça est important tout, l'arche de l'Alliance, de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, une distance entre deux ça. Ça va important pour nous, c'est notre point pour nous-mêmes, je dis, hein. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre.
Ça est important encore. Regardez les gens qui ont personnifié l'acte de l'alliance. Sans, je n'ai pas parlé de l'acte de l'alliance, mais comme ça, c'est lui-même qui a montré la route. Est-ce qu'on y a une boîte qui a montré la route pour faire pour aller? Donc, il y a un bagage dans la boîte là. On va les personnifier comme ils sont mounis. Pour ça, parce que les personnifient la personne de Jésus-Christ. C'est ça que l'alliance là, que les représente. Elle vous montrera le chemin. Donc, je dis, qui vous montre moi-même votre chemin? Jésus-Christ. C'est lui qui nous doit suivre. Ce n'est pas la voie du monde qu'on a suivre, mais la voie de Jésus-Christ. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre quand vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Passez devant, je veux dire, pas passez devant le plus haut, non? Et comme si, prends devant, prends devant. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Mot sanctifié, hein, que l'utilisez là, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il y a deux sens. Donc, il dépend du contexte là pour qu'on puisse traduire. Sanctifier veut dire mettre à part. Leur sanctifier, ça veut dire ou mettre à part de monde là. Ou pas faire ça monde là. Faire, ou mettre à part. Ou c'est peuple bon Dieu, mettez-moi à part avec peuple bon Dieu pour me faire ça bon Dieu. Voulez me faire. Mais il veut dire tout, préparer tout. Il veut dire tous les deux. Donc, dépend du contexte là, il y a là, il était capable de traduire pour préparer tout. Parce que l'orgue de son préparation qu'il a fait là. Une préparation qu'a fait. Bon, tu vas juste faire passer Jourdain, le faire venir, camper là. Mettez-nous prêts. Après 3 jours, mais ça ne va pas le faire. Et bon Dieu, expliquez-vous. Il va prendre l'arc de l'alliance, il va marcher avec, il va aller dans la rivière là avec lui, et leur rivière nous-mêmes, nous allons le suivre. Donc, la préparer. L'important pour m'accentuer sur l'hypocrisie, parce que, en pile fois, en pile secteur chrétien, il y a comme si un concept qui a véhiculé, c'est comme si le chrétien n'a pas besoin de préparer. On va laisser l'esprit faire salver, on va préparer si on va déjà tomber. Non, bon Dieu, pas sa vie comme ça. Bon Dieu, son Dieu d'ordre et de discipline. Tout ça, bon Dieu a fait, il préparer. Même Jésus-Christ qui est pour le mourir, la Bible dit, on a un Pierre, jour ça a été préparé depuis avant la fondation du monde. Bon Dieu, pas fait rien au hasard. Et tout ça qu'on a oublié là, nous même qu'à comprendre tout ça qu'on a oublié là, non? Si vous la Bible, même, vous comprenez pas de bonnes bagailles. Pendant que vous avez oublié là, nous prenons deux, trois, comme si vous avez fait un commentaire là, moi plus. Parler de ça que moi, mais l'homme passe sous lien en 4e fois, en 5e fois, en 6e fois, m'a besoin de l'autre bagaille. Parce que je passe sous Josué chapitre 3 déjà. Pas pour m'enseigner, mais pour me lire. Je lis n'importe 6 à 7 fois déjà. Je passe lire la Bible, lire la Bible, mais pas de m'a préparé là qu'on y a l'autre bagaille. Toujours tout détail dans la Bible, il y a une leçon là-dedans. Même le coparole. Donc, il ne faut pas jamais beaucoup, même beaucoup, constamment, ou appeler, pour découvrir qui ça, bon Dieu, gagne là-dedans pour vous-même. Donc, dans Josué chapitre 1, nous lisons dans verset 10, bon Dieu dit à Josué en l'ordre. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il dit ça, bon Dieu demandé. Dans Josué chapitre 1, verset 10, il dit dans verset 11, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Bon, c'est comprendre. Qui est-ce qui va le mener? Bon Dieu. Est-ce que bon Dieu n'a pas de manger dans le désert là? Oui, juste là, il a mangé. Pourtant, bon Dieu dit préparez vos provisions. Bon Dieu pas vle moi m'a pour nous inactif n'a côté bon Dieu cap fait il me lagué comme non n'a pas lagué quoi on va n'a pas lagué quoi comme si nous même n'a préparé n'a fait des activités et payer manque manger en fait manger payer pas un job en créer job mais comprendre pour que ça pour nous atteindre plus monde pour nous capable sauver nous sanctifier mais nous pas inactif dans ça et l'on avance bon Dieu pas avoir dans ça quoi faire mais bon Dieu veut pour nous préparer faut nous préparer non dans tout sens. Les dit, donc, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et oui, bon Dieu dit, pour aller quoi? Pour aller conquérir, vous allez faire conquête. Et là, vous allez faire un effort vraiment vrai. Nous allons plus devant, là, dans le chapitre 5, 6, nous allons voir Jéricho, qui vient faire conquête Jéricho. Bon Dieu dit, il fait 7 tours Jéricho, ça va faire là. Il va faire un, non, là, regardez. Mais bon Dieu fait participer quand même. Vous comprenez ce que vous comprenez? C'est quoi le monde en longueur, mon affront travail, tout le monde veut participer là-dedans. En plus, tout le monde a plus de nuit, et après, mon quitter de participer parce qu'il faut un apprentissage là, pour quitter la babonne. Ou mon ablavé, tout le monde a ablavé tout. Les plus dérangeants dans la vie, les plus beaux retards dans la vie, mon quitter a fauté, a fait tout, il n'a pas fait vraiment, non? Mais on a un bel apprentissage. Ou pas voulu que l'autre est inactif pour l'attendre tout le temps. Donc, c'est ça, bon Dieu, avec le peuple en tout. Mais Israël, il y a un problème là. Bon Dieu, fin de faire une promesse là, et qu'on y a. Yo campé
promesse là puis par l'autre bon Jourdain et puis Jourdain qu'on y a séparé avec promesse là c'est pas Jourdain qui gagne qu'on y a non et pas Jourdain qui gagne qu'on y a Jourdain m'a prendre bagage que m'a même connaît parce que me prend carte là m'étudier carte géographique là dans zone là pile et puis me venir passer le fait que me dans zone là deux semaines de ça me dans Jourdain me dans rivière Jourdain me dans la mer de Galilée me dans la mer Motte et puis me réaliser que Jourdain il sorti dans une mer yo puis tombé dans l'autre mer yo encore c'est comme si il sorti dans tête monde pour commencer il est tombé dans la mer de Galilée. Et puis, quand fini, on branche, il est sorti dans la mer, puis un bon piba, et puis là, il est tombé dans la mer morte. Donc, Jourdain, il est connecté deux mers, ça y est. Mer de Galilée avec mer morte. Mais quoi, ce qui est important, ce qui est belle, c'est que bon Dieu va être obligé de faire peuple, de faire route, de faire. Il y a une route qui coûte, que tu es capable de faire, pour arriver à Canaan, plus rapide, ça que tu n'as même besoin de traverser Jourdain. Vous êtes comme ça? Et pourtant, bon Dieu, c'est pour ça que il fait offert. T'as le n'importe pour qui raison. Mais sachez, tout le monde était en mourir déjà. C'était environ deux mounes, adultes, grands mounes, qui étaient sortis en Égypte. C'est deux graines qui étaient là. Ouais, c'est Caleb avec Josué. Moïse qui est allé. Tout le monde mourit. Caleb, Josué, ils ont même été là toujours. Ils vont rentrer à Canaan avec eux. Mais ça, moi-même, Jourdain, c'est obstacle là. Pour nous pour rentrer à Canaan même genre même ou gon promesse que bon Dieu fait mais ou gon problème là ou gon bagay qui barré ou et puis fois moi avant n'a fait Jacob on va n'a découvrir Saint-Pierre couvrir Saint-Paul pas non pour nous on va traverser obstacle là que nous oublier c'est bon Dieu fait nos promesses là c'est bon Dieu qui va faire nous traverser obstacle là c'est bon Dieu qu'on qui j'en a fait si c'est vous même qui fait avec force pas ou gâté là même genre avec Abraham bon Dieu dit moi le bon petit. Je dis, bon, je suis un grand monde là-bas, qui a passé après le fait là, non? Madame, je suis un grand monde, 90 ans, quand on a un grand monde, 90 ans, par la fait petit. Ça, monsieur, fait? J'ai un bon nom. Et qu'il n'y a pas fait bon Dieu confiance. Le bon Dieu, d'où on bagaille, même où elle semble impossible, mais bon Dieu, d'où il finit. Ouais, monsieur, fait petit là, c'est le problème qu'elle crée. Et ça qui crée division dans le Moyen-Orient jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Descendant, petit ça, a créé problème avec descendant Isaac. Parce que monsieur pas doit faire ça, il doit être tant de bon Dieu. Et c'est même pas grave pour moi avoir. Tout ça que nous faisons par la volonté de bon Dieu, c'est un problème que nous créons. Non seulement pour nous-mêmes, pour entourage nous, mais pour génération qui vient pour y revenir. Mais on va qui est important là. On va dire, verset 2, dit, donc, au bout de trois jours. Et pas au hasard, non? Que trois jours ça là. Comme si moi, j'ai un problème, non? Après trois jours, le problème non résolu. Puis le problème de l'humanité, c'est le salut. Relation avec bon Dieu, et vrai? Et le Jésus vient sur la terre, tout le monde dit, ah, Messie est venu, nous délivrer, Messie. Et puis, boum, il mourit, il va comprendre ce qui passe. Oh, il va mourir, ce qui passe là. Tous les disciples ont couru. Pierre, Jean, tout le monde a couru. Ils pensent que c'est balanté, belle, mais et puis, balan gâté. Mais au bout de trois jours, qu'est-ce qui passe? Délivrance. Et ce n'est pas comme ça qu'on s'est annoncé là. On prend toute la Bible, et toujours même chiffre. Sept, après sept jours, après trois jours, après 40 jours. Et chiffre comme bagage spécial là dedans bon Dieu font gens pour chiffre ça pour ancrer dans nous mêmes pour nous pas jamais oublier. L'autre ça que nous voyons encore c'est l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui ça symbolise? Il symbolise présence bon Dieu qui pas jamais quitter nous, qui pas jamais abandonner nous. Là il était chaque temps au camp en côté, c'est comme si yo mettez yo font tente et puis en dans tente là yo mettez l'arche de l'alliance là puis mettez le dans mi-temps quand. Et puis un peu monde à gauche, un peu monde à droite, un peu monde devant, un peu monde derrière. Donc comme si l'âge de l'alliance est toujours dans le temps lui-même. Et bon Dieu promet nous, en Hébreu, chapitre 13, verset 5, il dit non, les papes, jamais quitter nous, les papes, jamais abandonner nous. Au quand on verset ça, c'est dans l'Ancien Testament, sorti, pour lui venir jouer nous à nouveau. Hein? Bon Dieu, c'est avec l'alliance là que le verset ça, comme un symbole que dans le temps nous. Je ne peux jamais quitter nous, je ne peux jamais abandonner nous. Et c'est le même qui a dirigé nous. C'est l'alliance là qui vous dirige. Je vais donner deux versets rapides comme exemple pour nous voir cette alliance là représentée. 1 Samuel 4, 4 qui dit le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Mais bon, l'autre verset dans 2 Samuel 6. Ça me balance pour montrer nos chérubins que nous te voyons comme si bon Dieu dit nous en mi-temps. Vous pouvez montrer une photo alliance là. On pourrait être deux anges, c'est deux chérubins qui ont. Et comme si bon Dieu dit, moi, j'ai mis tant de chérubins. Les chérubins, c'est une hiérarchie d'anges qui est dans le ciel. C'est gros autobus anges. Donc bon Dieu dit, moi, j'ai mis tant de ça. Donc bon Dieu dit, moi, là, dans l'arche de l'alliance. Et dans 2 Samuel 6, verset 2,
David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées. Et puis, regardez que ça le dit, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Donc, c'est ça. Pour invoquer le nom de Dieu, c'est là où il est allé. Et comme c'est bon Dieu, là, dans le temps, Achlan, et Achlan toujours dans le temps, peuple. Donc, bon Dieu, toujours dans le temps, peuple. Et c'est ça que le Yekouni a pour moi avoir. Bon Dieu, il est là avec nous. Il y a d'autres passages dans la Bible qui montrent ça. Mais nous, on a l'autre bagarre encore qui sont un problème. Nous, on était supposés qu'on distance dans verset 4 là, en distance de 2000 coudées entre peuple et l'Achlan. Le Achlan a dirigé tête là. Même le, il mettait tente là, il n'y a pas jamais collé avec Achlan. Il était à droite, bien loin, à gauche, bien loin. On va trois tribus, trois tribus, trois tribus, trois tribus. On est son carré, son rectangle, disons, que tente l'anté. Et bien, il y a quatre faces. Dans chaque face, il y a trois tribus d'Israël qui viennent faire 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas qu'à rentrer dans Tantlan, puis Allemagne, Achlan. Non, pas comme ça. Pourquoi ça? Parce que c'était son ancienne alliance, là, son leçon qui la donne. Son ancienne alliance, là, il n'y a pas qu'à approcher bon Dieu, n'importe qui. Comme si bon Dieu, son bon Dieu qui est saint, pour approcher le Fokouta, saint. Et puisque pas de monde qui est saint, pas de monde qui est capable d'approcher le vraiment vrai. Même le bon Dieu a fait son spécial, les faits pour Dieu vient prendre les pour porter les son spécial lui. C'est aussi de monde libre autorisation pour faire un bois, pour prendre la dernière, on regarder remontrer acheter encore. Ou pour que les côté pour Kembel. Ou pour il y a quatre monde qui va le porter là, il y a quatre monde qui porter lui. On prend et ça au plus long qui apparaît. Il va supposer main vraiment. C'est quatre monde prend bien loin pour porter. Pas supposer main acheter. Parce qu'il y a pas dit, pas un monde qui dit pour main acheter ça. Parce que ou pas capable d'approcher un Dieu qui est saint et présence qui est symbolisée dans l'arche, ça, ou pas capable même approcher symbole présence qui est dans l'arche. Même dit, bon Dieu, merci. 2000 coudées, pour être fait 2000 coudées, c'est environ 3000 pieds que lié, ou bien presque 1 kilomètre, presque 1 kilomètre distance, ou bien 900 mètres, 900 mètres distance entre peuple et l'arche. Je dis, distance, ça n'a pas existé encore. Ou tu comme ça? Je connais aujourd'hui, j'aimerais avoir nous capables l'âge de l'Alliance. Parce que l'âge de l'Alliance, c'est un symbole lié encore. Et Jésus-Christ, qu'il était symbolisé. Moi, aujourd'hui, nous avons une relation intime avec Jésus-Christ. Luc 22, verset 20 dit non. Il, en parlant de Jésus, il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de l'âge de l'Alliance encore. Et ça ne peut pas exister. En pile monde passé quelque part dans le monde là qu'on y a, il y a un côté lié. En pile monde passé en Éthiopie que lié. Après plus recherche qu'a fait dans le monde en Éthiopie. Même grands amis même qui dans bah ça donc grands amis qui dans recherche pour H là. Comprendre, monsieur fait voyage en Éthiopie déjà à chercher, à regarder, il a fait recherche monde qui dans archéologie, il pense c'est en Éthiopie que lui caché. Mais pour que ça bon Dieu caché. Pour même raison qu'il fait le cacher temple en tout. Temple à Jérusalem, place là, dans la ville là, ou à Jérusalem, ou après place côté temple en bâti. Son mosquée qui la donne là, Ronya. Et le gouvernement israélien n'a pas qu'à manger. Parce que bon Dieu n'a pas voulu là, ça, Ronya. Bon Dieu n'a pas voulu rituel, ça, Ronya. Bon Dieu voulait pour nous tout focus sur Jésus-Christ. Et bon, pas sous barre, ça. Donc, il cache tout. Bon, le abtouné. Dans la période de tribulation, temple en bâti, tout l'âge de l'alliance, ça va le tourner encore. Pendant la période de tribulation. Mais pour l'instant, nous-mêmes, nous avons une période de grâce, nous avons une relation avec bon Dieu. Pour ça, parce que voir le temple, hein, songez côté âge de l'Alliance, te connaît. Il te connaît dans le lieu très saint. Un seul monde qui doit rentrer là-dedans. Une fois par année, zone octobre comme ça. Dans la fête qui est la fête d'expiation. Une fois par année, souverain sacrificateur est rentré pour aller prier pour le peuple. Hein, pour ça, pour péché que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas péché, vous ne pouvez pas faire. Donc, si tu connais tes fêles, ou tu as porté un aïe pour sacrifier pour vous, moi pas même qu'on en fait. Donc, laisse ça prier pour vous-même, pour pécher pour vous-même qu'on en fait. Eh bien, je dis, nous connaissons voile ça déchiré. Séparation entre le lieu saint et le lieu très saint dans le temple, il était déchiré. Et le temple n'a pas même existé encore. Mais voilà, il était déchiré pour vous montrer non, que nous avons accès. Kounia, tout le monde a accès. Ce n'est pas seulement souverain, sacrificateur. Matthieu 27, verset 50, comme un exemple, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. En d'autres termes, Jésus mourit physiquement. Et voici, ça qui passe là, ça. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà déchiré. L'autre des voiles, ça déchiré. Vous pensez, c'est parti, voile quoi, tapis, nous gagnons là, non, quel lié. C'est un gros bout de bagaille, séparation. Et comme d'ado, c'est huit garçons, yo dit, pas n'importe garçon, non? Huit garçons vaillants qui pour pousser lui, pour souverain sacrificateur, faufiler l'école pour le rentrer. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le net. Pour faire pousser le seulement, c'est huit garçons qui sont poussés. Et bon, c'est pas un petit lié, et puis il n'y a que le déchiré. On l'écrasait, disons. Et comme il écrasait, bon, tu montres nous avons accès au lieu très, très saint. Alors que Jésus connaît, il dit non. Les amis, nous connaissons. Mais ces amis, leurs amis ont monde, ou pas une distance entre eux-mêmes avec elles. Nous avons des grands amis, moi. Et c'est l'équipe baptisée de nos mains, qu'on a marché dans la rue, si il connaît, on était capé. Parce qu'on a un bon bail drôle dans la rue, on a compris. Mais quand on a marché dans la rue, moi, avec les ça, c'est maintenant qu'on mène en sentier, on a marché parce que nous sommes bons amis, nous toujours ensemble, nous toujours collés, on comprend. C'est comme ça, nous comprenons que nous sommes bons amis. Mais Jésus dit, nous sommes en mille, je dis en tout. Les amis, c'est celui qui baptise le mariage, moi. Verset Jean 15, verset 13, dis-nous. Jean 15, bon Dieu dit, non. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, Jésus a parlé. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous obéissons, eh bien, nous sommes amis. Et mourir pour nous. Obéissance a commencé dans le salut d'abord. Et bien, oui, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Et il y a tout droit pour le rendre le serviteur. Bah oui. Il y a tout droit. C'est maître lié vraiment. Et maître de l'univers. Il y a droit pour le rendre le serviteur. Serviteur, c'est comme d'un esclave. Oui, esclave. C'est mon doulos. Et là, j'ai un mot douleur. C'est moi qui veut dire esclave dans le grec. C'est moi qui l'a. Et comme si, nous avons des esclaves. C'est maître, moi, maître de tout. Et pourtant, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître en fait. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Oui, Jésus montre nos voiles en déchiré, qu'il n'y a pas de distance qu'il y a entre nous-mêmes avec elle. Et ça que nous-mêmes, nous avons intercédé n'importe qui l'heure pour n'importe qui monde. Longtemps, c'est ça, et notre temple pour aller pour le monde prier pour vous, pour souverain sacrificateur à prier. Nous avons intercédé pour n'importe qui, parce que nous avons une relation collée-collée avec bon Dieu. Gros autre bagage encore pour nous remarquer tout. Pour nous remarquer que la solution pour le monde a commencé avec leader, avec le sacrificateur, avec les vides. Je ne sais pas si nous connaissons ça, mais de nos jours, qui monde qui joue le rôle sacrificateur avec les vides? Qui est-ce? Les chrétiens. Et nous tous deux, vous êtes comme ça? Vous avez pour ça dans Pierre. Pierre dit nous sommes un sacerdoce royal. Nous tous sommes un sacerdoce. Sacerdoce veut dire un ministère. Nous tous sommes un ministère à plein temps. Dans un sens. Nous tous sommes un ministère. Même lors de notre travail, nous sommes un ministère pour bon Dieu. L'école, nous sommes un ministère pour bon Dieu. Nous tous sommes des sacrificateurs. Donc ça veut dire solution au problème. Il y a qui est qui vous pote? Moi, ma voix. Le gagnant est étape qui vous faites par la foi. Haïti besoin de sauver. Moun peut avancer pour faire ça pour faire là. Moi, ma voix, nous avancer par la foi parce que nous avons dit avec nous. Et nous sacrificateurs. Imaginez ça, bon Dieu dit. Avancer dans Joudain. Joudain, pas de Joudain, Jean-Lié Kounia, non? L'homme, moi, le Kounia. Je me dis, ouais, son petit rigole. Son bail qui, deux fois, dans la gel, deux fois cher. Kounia, lié. Deux fois cher. Bon, bon. Et vous traversez la pied. Vous traversez. Dans le point côté Jésus-Christ est baptisé, côté bâti en belle barrière sur lui, et comme si c'est Joudain qui frontière entre Israël et Jordanie. Où est Gadio dans l'autre bord, et Gad Israélien dans l'autre bord, Gad Jordanien dans l'autre bord. Pour prendre Malé, même l'homme parle même ça, lieu Gadio, vous voyez même Bayo, Gad Jordanien, comme si dans l'autre bord, pour monter aux gens tout près. Pour prendre son petit rigole qui sépare nous, pour prendre que nous avons marché aller, ou pas qu'on doit faire ça, pour prendre. Montre la nek marché aller si c'est un point pour mon côté monter capable passer mais on pas autorisé pour passer ça bon l'autre pont pour passer pour quartier qui passeport etc. Mais son petit bas mais à l'époque ça c'est un grand rivière son rivière qui est un pillage de sanctuaire et non seulement ça yo dit non on va le plus devant dans texte que parle dit non que à l'époque la moisson il était vinn pillage toujours il envahi et comme si li qui était cabané li qui était li le li il vinn pillage toujours. Donc, c'était époque moisson qu'il était, il était l'âge. Et songez tout, quand il y a son rivière, il y a de l'eau à descendre. Ou pas, c'est dans de l'eau à descendre. Le monde qui parle de l'eau, qui parle de ça, mais l'eau passe dans de l'eau à descendre, pas qu'on traverse le droit comme ça, non? Non. Les gens de l'eau, qui ont vu faire là, oui. Si je connais, c'est l'âme, besoin d'arriver, dans l'autre bord, je vais aller jusqu'en haut.
Et me quitte la traîne, me descend pour me tomber côté mesure. Ou qui t'en bas le contrôle là, dans la distance là, on va traverser la Tibonite en pile, moi, mais on a pas de sortir le maillet. On va la tombe, la Tibonite, Boucan Carré, tout rivière ça, c'est rivière traverser à pied. Donc, si on va qui capable faire peur, surtout l'heure de l'eau ça en couille. Et pour moi, si on veut dire, c'est pour gagner appui, c'est pour qu'on dit de l'eau en gros nègre, là ça, on n'a pas de chance de traverser à pied du tout. Papa me traverser sous en nageant, il mettait sous coule, le samedi petit monde toujours et puis il nageait, il traversait. Me gambe tout regarder tout affaire, il tout regarde pas me et puis traverser. Donc ça m'a imaginé au bien 3 millions de monde. C'est estimation combien de monde qui va traverser 3 millions de monde. Et bien il y a toute qualité bagaille. Comprend? Il y a toute qualité en effet yo, on va la caillou dans mais yo, son voyage à faire. Yo s'attendait j'ai avec toute affaire yo. Qu'il y a pour 3 millions de monde pour traverser de l'eau. Si moun, grand moun, toute qualité moun, comme ils sont bas, ils ont peur, ils ont carboné, ils ont un accident qui va arriver là. Eh bien, bon Dieu, pour montrer qui ça pour faire, mais bon Dieu dit, il faut nous faire une étape à la fois. Bon Dieu, capable de solutionner le problème là. Quel est le problème qui est lié, problème pour problème, pas problème pays. Mais bon Dieu voulait pour nous faire un pas à la fois. Et c'est pas ça que le sacrificateur a fait, c'est pas ça que moi et ma voix, que nous avons fait pour payer ça, pour nous toucher. La foi difficile. Pour faire premier pas ça, premier pas, l'important, c'est premier pas. Et puis là, oh, il va le marcher. Pour faire deuxième, troisième, on va faire relax. Mais premier pas ça, en plus le monde là, peut faire premier pas dans sa bonne Dieu demandé pour le faire. Il va prendre un verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors, on va dire, bon Dieu dit là, on va l'élever en dignité. Moi, je fais tout le monde voir son monde qui m'a avoué, m'a marché avoué, même Jean-Moïse. Et Moïse, qui est un respect, monde. Il dit, même Jean-Moïse, c'est un bal favor. Ah, ce n'est pas un monde qui a une humilité, tête qui a une main grosse. Et moi, je comprends. C'est moi-même qui est un gros tête déjà. Si je suis plus gros encore, il est là. Chaque fois que je me bats, le montrer, tout le monde me dit, Serge, pas grossi, il n'a pas réalisé que le pasteur a une grosse tête. Je suis habitué avec elle, mais l'aime pas si je me font entendre quand il y a nous habitués à la tête là, elle paraît nous avoir goûté là, on dit oh, pas grossi. Et moi, je suis même poids, je suis toujours pesé, et même poids, je suis passé à même poids, je donne à même poids. Mais tout le monde est grossi parce que je suis goûté. Donc imaginez qu'on y a la signe de tête ça gonfle encore, mais on ne sait pas prendre. Tête chargée. Bon Dieu dit, il va élever, monsieur. Verset 8. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Imaginez rivière a couru, gros rivière l'a couru, rentrer et puis camper. Faut qu'on a foi. Hein? Même avec Abraham. Bon Dieu dit Abraham, petit garçon samba ouan, c'est lui-même, on va le faire des nations, il va même qu'à compter eux-mêmes. Ouais, sab qui bol en mer, c'est même genre. Petit ça pral, on va pral de petit ça qu'on va le faire pral dégoulon nation. Et puis devant bon Dieu dit petit garçon là, unique là, comment vous allez dire unique là? Laisse ça, l'idée est en grand premier déjà, et oui, avec bon nom. Mais bon Dieu dit unique là, elle dit bon Dieu dit l'autre là, on ne peut pas connaître les noms. Unique là, prenez, tout yel. Abraham prend pour l'autre yel, vraiment. Et Hébreu 11 dit non, Abraham connaît bon Dieu capable de ressusciter, s'il le veut. Il fait bon Dieu confiance. Bon Dieu fait une promesse, et bien comme si bon Dieu dit un bagage qui contre avec promesse là. Hé, bon Dieu, je ne comprends pas, je dis non, mais c'est au palais, de beau palais, m'exécuter. Vous comprenez? Il exécuté. Et c'est comme ça que moi, votre assoie à vivre. Verset 9, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, moi, mais ça. T'es-moi, verset 7, là encore. Qui ça m'a dit, monsieur, verset 7? Bon, je dis, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Et quand il y a, bon, Dieu, fin par la mission, monsieur, par le reporter, en bande par le peuple, ça, bon, Dieu, dit. Qui ça, monsieur, dit, bon, Dieu, dit, verset 10, là. Josué dit, à ceci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Il va dire, bon Dieu, il va l'élever. Vous comprenez? Je comprends, non? Il va l'élever, déjà lui-même. Pour ne pas lever tête-là. Et puis il dit ensuite, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Gégasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Ouais, il va parler de, bon Dieu, il va l'élever. Il t'a parlé là. Tu as dit, bon Dieu, bon, parlez. Mais c'est, ouais, non, parle, ouais, connard. Non, parle. Vous comprenez? Pourtant, non, lui dit, bon Dieu, moi, en mi-temps, non. Il pas levé tête là. Ça est extrêmement important. Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur et de toute la terre va passer devant vous.
dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et celles, et elles s'arrêteront en un mort, en monceau. Elle dit, la Bible font gros barrières comme si la descendent et Boudek dit, tout n'est pas ça. Tout n'est fait back. Donc, une barrière qui est importante avant de nous poursuivre, c'est que bon Dieu prend 12 monde, il y en a chaque tribu pour représenter, pour faire travail. Là. C'est pas pour pas un monde qui prend crédit vraiment. Hein? Vous comprenez? Imaginez si bon Dieu t'a choisi un grand nègre pour apporter l'âge ça et puis paraître devant. Il dit, nous mettons avancé qu'on y a. Oui? Bon Dieu avait, ouais, ça bon Dieu fait avec. Pas n'importe quiconque. Oui? Non, il prend 12 monde. Même Jean, il sait que un pasteur moi maintenant dans Bible, il dit, il recommande l'organe de guérison. Oh, bon, bien, quel soit le miracle là? Bon Dieu, il y a tout dans ça. Il y a là, nous qui connaissons ça, il y a monde qui a tout dans là. Et ça, la Bible dit, depuis nos réunions ensemble, tout dans là. Bon Dieu dit, l'organe dans ça, parlez beaucoup de aucun côté. Toujours aller avec le monde, poser main, nous tous poser main, même si il y a de guérison. Hein? Nous tous poser main, nous tous prier ensemble, malade la guérir, il va prendre qui fait ça. Et puis nous tous aller. Autrement, ou car j'aime un ministère encore. Ou car la carola, moun vin faire, un bon vin dormir devant pour tout là. Vous comprenez? Il y a tant de vin poser main sur. Et puis, quand il y a la vous fini, mais nous tous ensemble, nous prier, chaque fête en fête, bon Dieu glorifié, pas de monde qui prend crédit, tout bon en forme. Là, on a position de leadership pour Jacques Mien, les difficiles, les pouvoirs pour crédit. Toute la journée, je n'ai pas crédit que je n'ai pas mérité. Dimanche, là encore, après le service, là, je suis avec un leader du comité ancien. Yo. Et puis, on a dit, mais ça, on a dit exactement, je dis, dit merci, et puis, pour un bagage, je me dis, non, c'est bon Dieu qui fait. Il dit, oui, bon Dieu fait, mais au même, on bon Dieu utilise tout le domaine. Si vous n'avez pas rien à faire, dites-le. Mais rien à faire. Je crois que c'est un monsieur qui était à l'hôpital dans la prison. Il était au même Sivène, oui. Oui. Ça, je me dis Sivène, songez. Je suis allé parce que chaque jour l'hôpital là. Combien de fois passé ça à l'hôpital? Deux fois. Je ne sais pas si ils font moi l'hôpital. Je suis allé deux fois. Je suis allé parce que chaque jour. Je ne sais pas prendre crédit pour ça. Mais en général, comme si le crédit voulait venir joindre nous. Je ne sais pas si le crédit voulait venir joindre nous. Donc c'est au même qui pour faire sorte, même avec Josué, pour refaire coup de guidon. Comme si c'est bon Dieu qui est glorifié avec lui. Josué est un homme humble. Et c'est une caractéristique d'un leader conséquent. Humilité. C'est une caractéristique qui est très importante. Si vous n'êtes pas humble, ou pas qu'à faire bon Dieu confiance. Et si vous n'êtes pas humble, vous avez fait force ou confiance plus que bon Dieu. Vous avez fait bagaille aux gens qui sont bon. Il y a un danger. Il y a un danger, ça là toujours là. L'église là, il y a tout le ministère que je connais, et là, c'est la veille. C'est danger pour. L'on a gardé les gens qui parlent dans le ministère pour regarder sur un potentiel éducatif. Soit diplôme, soit bagalé. C'est facile pour prendre un pied ça. Bon Dieu n'est pas critère ça dans la Bible. Nous ne bon Dieu parler de diplôme, aucun côté dans la Bible. Bon Dieu parler de onction. Il parle dans chapitre 6, à des apôtres chapitre 6, n'est qui conseiller, n'est qui onction cet esprit. Les on va des bail ça que parler. Il m'était apprendre les gens ça dans Calvary chapelle fort de Dedel. Le barème jeune pasteur, ce pasteur qui parle dans l'université du tout. Et moi joine des assistants qui avaient les qui gagne doctorat en théologie. Il dit bail ça drôle. On va me dit c'est n'est qui un doctorat en théologie, moi c'est pour pasteur. Pour l'autre monde les bon monsieur pas quand même assistant pasteur même, monsieur pas quand monsieur a gagné rien les même. On monsieur était peut-être dans le ministère, un bagage quelconque. Là, je regardais, j'ai un professeur qui était professeur dans Harvard, qui c'est l'école numéro 1 dans le monde, université numéro 1. Il était professeur dans Harvard, qu'on y allait travailler tout avec pasteur à tous les mêmes. Mais tu comprends, non? Mon bon diplôme, avocat, comptable, bon, c'est de gros chabrac, et puis en bas leadership, on s'y fait pas même à l'université. Ouais, bah, à l'endroit, il me pose des questions, on va me poser des questions, on me dit ça qui passe là. Et puis il dit que mais bon Dieu pas bay diplôme comme critère. C'est onction qu'il bay. Donc c'est monde qui gagne onction qui mettait dans position yo. Donc bon Dieu pas gagner compte diplôme do. Il y a quelqu'un qui gagne onction tout qui gagne gros diplôme dans tout qui l'a tout. On va comme ça tout mal dans l'autre l'église tout moi qui gagne doctorat tout qui pasteur tout pas de problème. Pourquoi d'avoir doctorat au pasteur ou qu'on a pas de doctorat au pasteur tout. On va c'est onction qui numéro 1. En pile erreur fait dans ça. En pile erreur fait en Haïti dans mission yo dans ONG chrétienne yo. Prend pile monde dans le monde qui a un gros diplôme, venez pour gâter ça. Parce que là, mon avenir, il n'est pas venu agir selon le principe de la Bible.
Donc, ou pas un ministère encore. Ou juste gon l'autre organisation, qui est tout ça dans le monde là. Mon pas une organisation chrétienne encore. Et c'est ça qui tue Harvard. Do. Harvard University, qui est l'école numéro un dans le monde, le monde qui va connaître ça, sont l'école théologique. Qu'il maintenant, prends gros chabrak, mettez, prends à râler gauche à bras, qui va gagner à voir avec bon Dieu, sanction, juste pour diplôme, qu'on y a une cérémonie diable qui fait dans Harvard, année ça là. Dans l'église qui est dans le campus là, cérémonie diable fait. Ou quand vous venez faire gros cérémonie diable, il dit c'est expérience y a fait. Donc, l'extrêmement important pour nous songer ça. Humilité, important en tant que leader pour nous capable faire bon Dieu confiance. D'ailleurs, c'est une caractéristique que bon Dieu bail pour le leadership. 1 Timothée 3, 6, il ne faut pas que le leader, qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, parce que contre de humilité, c'est orgueil. Donc, bon Dieu dit, là, mon nouveau converti, vous mettez dans la position de leadership trop rapide, orgueil a monté. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. En Romains 3, 27, dit non. Que bravo, nous ne pas camper sous. En rien. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Eh bien, soit confronté. Vous savez qu'on n'a pas fait un bagage plus qu'un autre. Nous n'avons pas fait un bagage plus qu'un autre. Qui loi que nous avons gagné? La loi de la foi. Eh bien, puisque c'est la foi, pas un monde qui a gonflé. Parce que nous devons recevoir même mesure dans la foi. Dans Galates 6, on verset moins encore. Verset 6. L'autre de verset 6, on dit, quand on verset dans la Bible, mes amis. Il dans la Bible, ben oui. Il dit, si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit, qu'il a rien, la bas d'être menti, ben oui. La Bible dit, déjà, moi, avant de voir soin, tout ça que nous y est, c'est ça que nous y est en Jésus-Christ. Identité, nous, c'est Jésus-Christ. Et pas dans rien qui est impossible pour personne qui est en Jésus-Christ. Quel que soit talent ou bien manque de talent. Pas dans rien qui est impossible. Donc, songez ça. Identité dans Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 5 dit nous de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous quoi encore? D'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si vous voulez marcher avec bon Dieu pour un succès, marchez dans l'humilité. Au fur et à mesure que nous avançons vers la fin du monde, moi, avoir besoin de plus d'humilité, nous avons besoin de plus de foi dans bon Dieu, pour nous faire bon Dieu plus confiance. Bah, il y a une petite difficile, mais quand vous connaissez ça, deux jours, je vais avoir un peu difficile. Avant hier soir, je suis entré à la calame, je fais journée là, un lundi, et puis je suis entré à la calame fatigué. Et puis, dès que je suis fatigué, c'est dans la télévision. C'est passe-temps favori, ça, c'est à garder. Mais en général, je ne regarde pas la télévision. En général, je fais une nouvelle dans la télévision, ou bien je vais aller à côté dans Internet, je cherche un bagage bien spécifique, et puis je regarde. Mais, ça a passé, Internet m'a allé, câble cassé, je n'ai pas Internet, je n'ai pas rien, donc je vais me raser. Ma passé puis passé pas et puis mon vidéo qui passait et puis moi c'est deux filles qui font ces bagages drôles dans vidéo deux haïtiennes me dit ça étonné me dit haïtienne comme si bah on voit ça dans pays étranger comprend et puis me curieux pour me regarder ça qui passait dans vidéo clip là et puis monsieur Chan ça que l'a dit faut non tolérant faut commencer à habituer à bailler ça yo comprend que monsieur dit me perd du ménagement même monde qui prend la même mère il est OK parce que on va dire que ça bailler et qu'on y a et ça l'a chanté comprend pour ça me dit ça comme si de jour en jour, si nous ne faisons pas de confiance, nous ne prenons pas de parce que nous sommes tellement fragiles. De je regarde, je dis encore, je fais une nouvelle dans Yahoo News, je regarde l'église qui est Chicago, qui a converti l'église ça, qu'on y a l'église qui fait faillite, par exemple, encore là-dedans, il a vendu, on est venu, il a mis l'église, il a mis forme d'être, il a acheté et puis il a habité là-dedans. C'est quand on est venu. Et puis, un bel carré, regardez l'autre écran, l'autre écran, dans mon chambre, dans le là. Lorsqu'il y a des fenêtres, ou après que l'église qu'elle dit, est vrai. C'est ou bien épiscopal, ou bien catholique, ou bien baronnet, ou bien l'église presbytérienne, qui a une belle fenêtre. L'église qui a une belle fenêtre, belle bagaille. Comme si, il a quitté toute fenêtre, toute bagaille, il a quitté l'église en notre devant, il a quitté le Jean-Lier. Et puis, il a fait, en Dakar, il fait 7 chambres à coucher. 7 chambres à coucher. Et puis, toilette, toute bagaille, salon. Il y a un genre de. Je n'ai pas de photos, ça c'est mon seul côté. Je n'ai pas de photos. Il y a des photos tout le temps dans le cas là. C'est pour tout le monde. Comme si c'est une façon. Et pas pour tout le monde, c'est vraiment un espace là comme ça, non? C'est une façon pour le faire, pour aider également que nous. Et maintenant, vous comprenez? États-Unis, ils disent qu'il y a parce que chaque semaine, aux jeunes, au moins, on l'église fait même. Chaque semaine. On l'église fait au moins une chaque semaine. Et une semaine, c'est plusieurs qui ferment. Mais au moins, il y a fermé. De qu'on y a la soupe, ou même ou pas prendre précaution, ou pas la parole de bon Dieu, qui me fait mal pour.
li extrêmement li ba la vin plus fragile qu'on y avait 14 pour terminer. Le peuple en sorti de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Ça, c'est en parenthèse que voilà. On pourrait ça en tirer ou en parenthèse dans la Bible pour montrer que l'herbe de l'irrigation comme s'il y envahit. Pendant une période de moisson, Jourdain envahit. Pour montrer l'étalage en pile, ça. Verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent. Comme si de loin, elle venait à toute vitesse, et puis il campait, puis il montait, parce qu'il y avait une vitesse. Il montait pour la retomber encore. Et puis, les eaux qui descendent, verset 16, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. L'heure de la mer salée, c'est la mer morte qui a parlé. C'est son mer qui n'a pas rien là-dedans en termes de créature. En littéralement, quand c'est le substance là-dedans, quoi est souffle, quoi est sel, quoi est bon bas là-dedans. Mon albin là-dedans, et comme de quoi j'en mon en Haïti albin en sous-spion, il n'est pas aussi mal lui-même. Il n'est pas un sens, il n'est pas un odeur lui-même. Bon, dans le tout près, il n'est pas un satan, mon albin, comme sous plage. Mais il y a là-dedans pour raison thérapeutique, comme si c'est pour quoi, il est bon pour quoi. Donc c'est la mer ça qui a parlé là. Le peuple en passa vis-à-vis de Jéricho. Et il est tout près, vraiment vrai. Tout près de Jéricho. Et il pas loin côté Jésus-Christ baptisé, hein, à côté que de l'eau tombée dans la mer morte, là, ou bien la mer salée. Jéricho, en verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Je dis, hein, comme moi dit Rivière, son petit bar était chargé. Mais quand on a réalisé qui est spécial, comme si ouais, Jéricho là comme ça, et puis au fond du marché, devant Jéricho, pour aller au jeune Jourdain, hein, qui passait devant Jéricho. Et puis, si de côté Jésus qui s'est baptisé, il tout bâtit, tout mettait. On connaît ça arrivé, on connaît qui bon, peuple Israël, qui est traversé, quand on pense que le traversé de loin. Exactement, côté Jésus qui s'est venu baptiser des centaines d'années plus tard. Mais on non? Comme si Jésus marquait place là, à l'avance. Jésus va prêt pour venir, non là? On va parler de pile temps passé là, avant Israël, pour Jésus venir. En pile centaine d'années, pour ton place là qui est marqué. Et c'est dans place là exactement Jésus Christ pour venir, pour venir baptiser lui-même. Gon bagay que Jésus Christ voulait montrer, non? Peuple là, bon Dieu, montre nous qu'il marchait devant. C'est l'âge de l'Alliance qui marchait devant. Mais quand il est entré dans la rivière, mais l'autre est non grand rivière comme ça, ça avec risque au rentrer. Risque pour même mourir, même pour perdre la vie. Mais qui ça? Le Jésus rentre avant, il conquérit la mort. Mais quand il conquérit la mort, et puis il est délivré pour passer. Mais combien de temps, après combien de temps ça a été fait? Il a été fait 3 jours, 3 nuits, devant la rivière là. Et puis bon Dieu montre, même il y a un pouvoir sur ça. Pas besoin de peur rentrer, pas besoin de peur de mourir, rentrer. Je veux dire, c'est même bagarre là. Dans la même place là, qu'on a, Jésus venu le baptiser là dans Gonia. Pour que ça c'est nous-mêmes, nous qui avons traversé qu'on y a. Bon, je montre nous, pour nous-mêmes, nous avons conquérir la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Montre nous, 3 jours, 3 nuits, nous pensons que tout le monde fini, boum, nous, nous ressuscité. Là, nous avons 4 ans, géographique zone là. Bon, je dis que vous avez marqué Israël là, jusqu'en bas. Pibal, c'est l'Égypte. Nous avons la mer, en Jean, à gauche. Peuple Israël, c'est comme si dans la zone de la mer, ils ont venu, ils ont monté. Espace bleu noir, il y en a haut, il y en a bas. Ça, en bas net là, marqué Tibériade, c'est Tibériade, côté gain la mer de Galilée. Et puis en bas, qui est en tout long, dans mi temps terre, c'est lui même qui la mer morte ou bien la mer salée. Jourdain, nous pas ouais bien là, mais Jourdain soit depuis dans mer là en haut, puis vient tomber dans l'autre mer qui en bas. Imaginez bon Dieu soit avec peuple là, dans zone bas, ça, l'idée là d'être monté tout droit, garder côté Jérusalem marqué. Nous voyons côté Jérusalem marqué, hein? Jérusalem marqué, puis sous tête là, mais qui n'a mis tant en bas. Jésus a fait remonter tout droit, aller à Jérusalem, pour envahir l'espace là. Non. On a fait, bon Dieu fait contourner, passer, monter, pour y aller traverser, pour y arriver à Jéricho, il a fini pour descendre, pour y aller à Jérusalem. Comme si, l'orgueil n'a pas de raison pour lui, non? Et parce que bon Dieu, il y a un bagage qu'il a besoin de faire. Il n'a pas le marqué point, quand il n'a pas le baptisé. Il n'a pas le fait là.
Littéralement, traversant, pas traverser Jourdain, du tout. Il n'y a pas de besoin de traverser Jourdain. Vous connaissez ça, bon Dieu fait qui est pire belle. Il fait à travers parce que toute l'histoire d'Israël, Israël commence à faire même bagaille là. Chaque temps juif, il prend le nord, dans l'époque Ancien Testament, il a toujours, il n'y a pas jamais arrêté. Comme si vous êtes à Jérusalem, faut que encore dans Jérusalem. Si vous parlez, on a dit, vous parlez dans le nord, dans la zone Bolan, mais dans n'importe ville, en haut, net ouest, Sidon, à l'aide qui est au Liban, Tyr, tout le bas. Vous n'avez pas sorti de Jérusalem pour monter droite, non? Non. Il traverse le Jourdain. Là, il monte juste à droite. Pour finir pour le traverser le Jourdain. Pour aller côté le bralé. Vous continuez à traverser le Jourdain sans pas besoin. Pour qui ça? Bon Dieu fait exprès de faire ça. Pour ça? Parce que le peuple juif vient mélanger dans la zone nord là avec le peuple la Syrie qui vient s'arrêter, vient bailler Samaritain. Et puis le peuple juif pas mélangé à Samaritain. Donc il n'a pas passé dans la zone ça du tout. Il continue à faire le même mouvement, bon Dieu de faire. Puis il faut traverser le Jourdain. Et pour traverser, monter, retraverser à l'autre besoin. L'autre tourne, traverser encore, descendre, retraverser pour entrer à Jérusalem. Il est constamment à traverser le Jourdain. Bon Dieu, tu voulais point ça marqué, continue à traverser, parce que c'est un message que bon Dieu veut bailler moi-même avec, que Jourdain, c'est baptême non lié. C'est baptême avec. Qu'est-ce que ça baptême symbolise? Nous plonger et nous mourir avec Christ. Et puis, quand il y a nous, ça, nous ressusciter. Et après, combien de temps le fait par Israël fait? Après, 3 jours. Eh bien, la mort de Jésus-Christ, même bagarre pour nous, je vous dis. Après 3 jours, 3 nuits, bon Dieu prend la mort pour nous-mêmes. Et nous faisons la paix avec elle, nous baptiser, nous mourir avec elle et nous ressusciter avec elle. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon Dieu prend le soin pour lui faire tout, prendre tout petit détail pour inculquer nous des vérités. Et non pas même cas, prendre tout même. Chaque temps passé, ou on va en plus. Parce que bon Dieu pas voulu quitter un yon au hasard. Eh bien, mon Dieu voulait, je dis, pour nous faire confiance. La foi, pas facile, mais nous ne sommes pas capables de vivre autrement en tant que chrétiens sans la foi. Deux bagages pour nous vivre par la foi. Premièrement, et pour sauver. C'est la foi pour sauver. Je ne suis pas capable de faire une logique avant pour moi expliquer par A plus B pour qu'il sache que le salut, c'est pas ça lié. Je ne suis pas capable. Et la foi qui peut sauver. Acceptez-le et puis gardez ça, bon Dieu, pour faire vivre ou alors bon Dieu, pour prouver que sauf faire son bagage qui est réel lié. Je ne suis pas capable de faire pour ça. Et deuxièmement, c'est pas la foi pour moi avoir continué à vivre. La foi, c'est un bagage que nous avons besoin pour nous sauver, et puis après ça, nous mettons de côté, et bien nous continuons à vivre. Non, il faut nous continuer à vivre. Il y a toujours un autre obstacle. Jourdain, c'est des obstacles, ça, que nous avons dit, mais nous ne parlons pas de Jéricho, pas de l'autre qui va venir. Pas de Haï, pas de obstacle après obstacle, après obstacle, après obstacle. Et c'est exactement la vie moins avoir que lié, et nous devons continuer à vivre par la foi. Amen. Notre Père Céleste, nous remercie pour parole. Merci Seigneur qu'on prend le soin pour marquer tout point ça qui est important pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Pas gagner au hasard dans la parole. Et nous ne pouvons pas comprendre tout jusqu'à ce que nous voyons dans l'éternité bienheureuse. Mais nous prions aussi un moment ça. Si nous avons un pour faire la paix avec nous, nous prions. Nous la foi nécessaire pour admettre que c'est des pécheurs, pour croire en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui devine mourir pour payer des péchés. Non? Et nous tous, Seigneur, qui fait la paix avec nous. Aidez-nous pour nous vivre une vie de foi. Pour nous faire confiance. En pile fois, le problème qui vient devant nous, Seigneur, nous voulons résoudre avec force, nous, avec esprit, pas nous, esprit de sagesse, pas nous, esprit de discernement, pas nous, au lieu que nous cherchions esprit de sagesse, pas nous, esprit de discernement, pas nous. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas faire même ça avec Jacob. Pour ne pas tendre que pour casser hanche, nous, pour nous mettre nous en côté. Aidez-nous, Seigneur, pour nous juste faire confiance. Appliquer parole, remettre une lotte, faire moun connaître qui moun koye, et vivre comme des modèles dans le pays ça, qui besoin tellement des modèles dans l'église surtout. Nous te remercions, nous prions, dans le petit de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles.